envie d'aller en Russie? Pourquoi tu sais? Oui, j'ai envie d'aller en Russie parce que les bandits ukrainiens nous ont m'ont épouvanté. Là. J'ai eu très très peur pendant une semaine. Dans la première partie de ce reportage, nous avions établi que l'interdiction de la langue russe et la suspension des pensions de retraite des Ukrainiens russophones étaient à l'origine du conflit, et non pas un impérialisme russe comme l'affirment les médias du système qui reprennent ainsi les arguments du gouvernement américain. Bref, une nouvelle guerre froide où l'avancée des troupes de l'OTAN est perçue par Moscou comme une menace sur son espace géopolitique, renforcée par la propagande américaine qui ne vise, selon eux, qu'à déstabiliser cette région du monde. La Russie est responsable de la violence dans l'est de l'Ukraine. La violence est encouragée par la Russie. Les séparatistes sont entraînés par la Russie. Ils sont armés par la Russie. Ils sont financés par la Russie. Pour Barack Obama, donc, les nouveaux Russiens, autrement dit les Ukrainiens russophones, sont entraînés par la Russie. Kiev a diffusé des témoignages vidéo de 10 parachutistes russes capturés à moins de 10 km de la frontière. Selon les agences officielles Itartsas et RIA Novosti, les militaires en question participaient à des patrouilles à la frontière russo-ukrainienne et l'ont traversé sans doute par accident sur un tronçon sans démarcation. Le caporal Ivan Mitchakov témoigne. Nous avancions en colonne dans des champs, pas sur la route. J'ai deviné être en Ukraine quand on a commencé à nous bombarder. Je ne sais pas à quel moment on a traversé la frontière. On est à combien de kilomètres de la frontière? 15 kilomètres. 15 kilomètres seulement? Ouais. Mais il faut dire que les derniers combats, ils se sont déroulés justement sur la frontière. Les médias occidentaux ont présenté ces manœuvres en Russie comme des menaces d'intimidation, mais quel chef d'État ne mettrait pas son armée en état d'alerte alors que des combats se déroulent sur sa frontière? Voyons maintenant la présence de militaires étrangers dans les rangs des troupes ukrainiennes. Selon une information du Bild am Sonntag relayée par Le Point, environ 400 mercenaires d'une entreprise américaine opèrent en Ukraine aux côtés des soldats et de la police ukrainienne dans des opérations contre les séparatistes pro-russes. Ces 400 mercenaires travaillent pour Academy, plus connu sous son ancien nom de Blackwater. Ces révélations sont basées sur des communications radio interceptées par l'agence de surveillance américaine et transmises ensuite au service secret allemand. Les mercenaires américains coordonnent et dirigent des opérations de guérilla contre les séparatistes pro-russes. Que pense-t-il de la rumeur de la participation de Academy, plus connue sous le nom de autrefois Blackwater, qui est une entreprise commerciale de mercenariat américaine? Je pense que c'est là le secret de la, disons, de la résistance des pouvoirs ukrainiens quand ils tiennent à garder toujours l'aéroport. On peut y trouver sur ce site les preuves de la participation des mercenaires étrangers. D'accord, il y a les mercenaires des deux côtés. Oui, il y a des choses différentes. Il y a les volontaires, y compris de France, de Tchéquie, de l'Espagne, des pays balkaniques, qui sont venus ici pour lutter contre le fascisme, tandis que par exemple sur les chevrons, sur les casques de l'autre côté, on peut voir même les signes fascistes. Et entre autres, les appels à écraser les gens qui pensent autrement. Mais ça, c'est du fascisme. Et поэтому люди, которые приехали по зову сердца, как добровольцы, les gens qui sont venus comme volontaires, on ne peut pas les traiter de mercenaires. Comparons cette présentation des faits avec l'analyse d'un spécialiste de la région. Alors les milices, elles ont été constituées soit des partis d'extrême droite nazis de l'ouest de l'Ukraine. Alors il y a des tas de raisons pour lesquelles ces gens-là sont nazis, mais enfin ils ont joué un rôle très important et qui ont été financé par un oligarque de Dnipropetrovsk, qui est d'autre, une autre ville de Novorossiya d'ailleurs, mais qui a toujours été en rivalité avec Donetsk, hein, toujours. Mais là, bon, c'est un oligarque qui s'est payé plusieurs armées privées, en quelque sorte. Des milices, quoi. Des milices, ce qui
un double avantage. D'abord, d'avoir des gens pour pouvoir les faire combattre contre le Donbass, où il y avait un oligarque qu'il n'aimait pas et qui était un de ses rivaux. Enfin, les rivalités entre oligarques, c'est aussi un des aspects de toute la crise ukrainienne sur laquelle on n'a pas le temps d'aller parce que c'est vraiment très compliqué. Et puis, d'autre part, ça permettait aussi d'affaiblir ces milices d'extrême droite qui avaient quand même une revendication sociale dans le Maïdan, et qui, pour que les oligarques qui ont pris le pouvoir, en fait, à Kiev, Petrochenko, c'est pas vraiment, c'est pas un pauvre, hein, eh bien, ils peuvent comme ça se débarrasser d'un certain nombre de leurs gars d'extrême droite excités, qui sont en plus au chômage dans l'ouest de l'Ukraine. Est-ce que vous avez le sentiment que les médias délivrent une vision non objective du conflit que vous avez vu sur place ? Absolument. Absolument. Je considère que d'abord, la manière dont on parle de milliers d'armées, hein, au milieu de troupes, secrétaire général de l'OTAN, commission de défense, secrétaire général adjoint de commission de défense au Parlement, parle de milliers de troupes. Je le reprends, vous voulez dire tout au plus des milliers d'individus. Il est d'accord. Et puis, quand on parle de milliers de tanks, si la Russie avait voulu envahir en même temps que la Crimée et aller jusqu'à Kiev, rien ne l'aurait empêché. La seule chose que la Russie... Rien ne l'aurait empêché, non. Personne n'aurait à ce moment-là. Conflit, Mais personne n'aurait à ce moment-là bougé. Que voulez-vous qu'on fasse? Vous croyez que la France, nous allons le feu nucléaire à la pour, France, sans doute pas, pour ou les États-Unis avec toutes ses conséquences? Mais non, il faut être réaliste. Nous avons une offensive très claire. Derrière, on a les Américains. Préparé avec les Polonais, le coup d'État, les moyens, des sociétés privées qui interviennent en Kiev, qui occupent un étage entier du ministère de la Défense, les États-Unis, à Kiev. Nous avons fondamentalement la présence d'un État étranger qui avance son impérialisme. Mais Barack Obama affirme également que les russophones sont armés par la Russie. La preuve ? Le prétendu exploit de journalistes ayant réussi à filmer des véhicules militaires circulant sans plaque. Il n'y a pas de prouesse en la matière, puisque ce sont tous les véhicules qui sont ainsi, comme nos images le montrent. Mais alors pourquoi des véhicules sans plaque, alors qu'il serait si simple d'apposer de fausses plaques? Pourquoi ne s'est-on pas penché plutôt sur les numéros de série des pièces? Interrogé sur la question, un éminent spécialiste du ministère de la Défense français, qui a souhaité garder l'anonymat, nous donne sa version. L'absence de plaque est la cachotterie du pauvre qui vise à empêcher le comptage, permettant ainsi de camoufler la faiblesse des moyens. Mais alors, d'où viennent les armes ? Bon, il ne faut pas oublier que le territoire sur lequel nous nous trouvons, il y avait beaucoup d'unités militaires et de garnisons. Il y avait ici les unités du ministère de l'Intérieur, de la sécurité d'État. Et chacune de ces unités, elle possédait des entrepôts, des magasins avec beaucoup d'armes. Et pendant les hostilités, ces entrepôts, ces magasins, ils passaient entre les mains d'une partie ou de l'autre. Effectivement, permettre d'identifier la provenance des tirs, notamment, ou pas, justement. Alors moi, je dirais que c'est le genre de choses sur lesquelles, effectivement, s'attardent beaucoup les médias, pour lancer d'ailleurs des accusations qui sont absolument jamais prouvées. On a des allées-venues de colonnes russes qui viendraient combattre dans le sud de l'Ukraine, etc. Alors, on nous montre quelquefois des colonnes de chars qui passent, on ne sait pas où c'est. Des chars qui, pour la plupart, sont sans plaque d'immatriculation. Oui, mais bien sûr, mais vous êtes dans un conflit de guerre civile. Alors, vous savez, même s'il y en a des plaques d'immatriculation, de toute façon, aller savoir à quoi ça se rapporte exactement, etc., c'est pas très évident. D'autre part, ils ont les mêmes chars des deux côtés, de toutes les façons, puisque... Alors, les sources d'armement, disons, pour répondre à la question quand même. Un, il y avait énormément de stocks, d'ailleurs, beaucoup plus à l'ouest de l'Ukraine qu'à l'est. Hein. Il y avait énormément de stocks d'armes qui étaient déposés du temps soviétique dans tous ces endroits-là, puisque c'était la première zone d'offensive de l'OTAN pour les soviétiques. Hein. Donc du coup, il y avait beaucoup d'armes. Ces armes, il y en a beaucoup qui ont été vendues en contrebande par les premiers pouvoirs ukrainiens après 91. Il y en a eu essentiellement qui ont été vendues. Elles ont été aussi mal entretenues, etc. Mais enfin, disons, en cannibalisant trois chars, vous devez arriver à en faire un, quoi.
Donc la plupart des armes, elles étaient là. Donc il y avait essentiellement les dépôts. Il y a eu, pour l'anecdote, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'ils ont commencé, ils ont démonté des T-34. Les T-34, c'est les fameux chars de la guerre. Alors dans chaque ville soviétique, il y en avait un à l'entrée de la ville, comme monument, puisqu'ils avaient transformé leurs chars en monument pour commémorer la Deuxième Guerre mondiale, justement. Alors ils en ont démonté un ou deux, je crois, qu'ils ont refait fonctionner. Et au début, c'est ça qu'ils avaient comme chars. Et puis après, ils en ont pris. Ils en ont pris aux Ukrainiens de l'Ouest, là, aux Kieviens, qui les attaquaient, et qui, il faut bien le dire, se distinguent en deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont l'armée ukrainienne, alors qui n'est pas motivée pour deux ronds, qui ne veut absolument pas se battre, où il y a eu énormément de pertes, et qui s'est fait, quelquefois même, à donner son matériel, purement simplement. Parce que même pour être nourris, ils ont été au début nourris par des habitants du Donbass. Mais au fond, la question de l'origine des armes a-t-elle une si grande importance? L'Ukraine, elle, a la possibilité d'acheter librement des armes sur le marché. Elle se vante même d'en recevoir gratuitement. Youri Lysenko a déclaré lors du sommet de l'OTAN de septembre 2014 que des accords ont été conclus sur la fourniture de conseillers militaires et d'équipements d'armement modernes par les États-Unis, la France, l'Italie, la Pologne et la Norvège. Bien plus important est le type d'armes utilisées. Parce que l'objectif est militaire et qu'il se déroule sur leur terre, les Novorussiens ont recours à des armes conventionnelles. Qu'en est-il des Ukrainiens? Et d'ailleurs, on a vu l'utilisation des armes interdites par les conventions internationales, entre autres, par exemple, les munitions à cassette. Les munitions avec phosphore, aussi chargées avec les éléments sous forme des aiguilles. Une bombe à fragmentation est une bombe aérienne qui explose avant d'atteindre sa cible, en libérant des milliers d'éclats qui se propagent à haute vitesse dans des directions aléatoires. Il s'agit d'une arme de conception simple et peu chère. Elles sont interdites par la Convention de Genève. Le droit international humanitaire et les lois de la guerre interdisent les attaques visant les civils et les structures civiles. Parce qu'ils se battent sur leur terre, les cibles visées par les Novorussiens sont exclusivement militaires. Qu'en est-il du côté ukrainien? Durant notre voyage, nous constaterons que les principales cibles sont souvent des établissements civils, comme cette école de campagne totalement isolée. Je suis institutrice dans cette école pour les premières classes. Combien y avait-il d'enfants qui étudiaient là? Quelques 350 écoliers. Est-ce qu'il y avait du monde lors du bombardement? Alors justement, ici dans cette école, il y avait les gens qui ont quitté leur maison parce qu'ils n'avaient pas de cave. Y a-t-il eu des blessés? Quand le but a explosé ici, il y avait et les gens tués, les habitants qui vivaient dans cette école, ainsi que les blessés. Le bâtiment est isolé, donc visiblement ça ne peut pas être une erreur. Bien sûr. C'est évident. Si c'était une erreur de cible, alors pourquoi l'église juste à côté serait-elle épargnée? Alors qu'un peu plus loin encore, c'est une maternelle qui est touchée. Est-ce que vous avez une idée du nombre de blessés et de victimes ces derniers temps? Pendant toute cette période, nous avons soigné ici plus d'un millier de gens, que ce soit militaires ou civils. Et dans cet hôpital uniquement? Nous ne parlons que de cet hôpital. Le 25 août à 6h30, et il y avait un obus qui a frappé ce bâtiment-là, qui se trouve ici, il y a une polyclinique et l'administration. Une des meilleures écoles de toute l'Ukraine à l'époque, qui était un exemple, un modèle pour les institutions d'enseignement public,
которую попал опять снарядом. Qui a été frappé par un obus. Moi, je pense que pourquoi les de telles institutions sont touchées. Moi, je pense que ce sont des provocations. Par exemple, l'école. En regardant les caméras de surveillance autour de l'école, nous avons vu l'homme qui a installé les dispositifs spéciaux pour capter les obus autour de l'école. Cet homme a été arrêté et maintenant il est interrogé et il parle pourquoi justement on a installé ces dispositifs autour de l'école. Alors, c'est-à-dire, ce n'est pas une erreur. Это был направленный удар, направленный на vraiment prémédité. На дестабилизацию в нашем обществе. Déstabiliser notre société. Le bombardement d'éléments civils comme ça, l'objectif, c'est de faire fuir la population. Quand on détruit, par exemple, les postes de transport. Разрушаются станции фильтровальные станции подачи воды. Quand on détruit, par exemple, les stations d'épuration d'eau. Когда тысячи людей остаются без света, без воды, без quand тепла. Quand des milliers de gens n'ont pas ni électricité ni chaleur. Люди месяцами живут в подвалах, в бомбоубежищах. Les gens qui passent des mois et des mois dans les caves. Это самый настоящий геноцид. C'est un véritable génocide. Sans intérêt stratégique également, ce sont les campagnes qui paieront le prix fort. Ma maison, elle est détruite. Ils sont venus ici, ils ont commencé à voler, à tuer, ils ont détruit nos maisons. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. L'armée ukrainienne, ils voulaient passer par ce village pour aller vers Kharkiv, notre agglomération. Et ils montaient ici, mettaient ici les chars et ils tiraient à travers les fenêtres sur les nôtres. Les Ukrainiens, je les ai acquis, je leur donnais le lait. Moi, je pensais que ce sont les libérateurs. Mais après, alors on a commencé à tirer les bombardements, les mortiers. Et nous, on ne sortait pas des caves. On nous bombardait avec les lance-missiles. Les maisons étaient abîmées. On nous a volé plein de choses. On a pris les vêtements, les draps, la vaisselle. Nous serons frappés par la dignité de ce peuple. Le meilleur exemple, c'est cette femme qui a perdu totalement sa maison et qui pourtant nous accueille avec le sourire. Les médias occidentaux notamment parlent très peu en réalité des pertes de la population, des pertes de civils, de la souffrance des populations et encore plus précisément quand il s'agit de la population du Donbass. Comment expliquez-vous cela ? Parce que c'est un conflit qu'on veut nier. On n'en parle effectivement pas, et quand on en parle, c'est encore plus étrange, parce qu'on dit les populations souffrent, les populations sont détruites, alors on montre des images de destruction, effectivement, mais on ne dit pas par qui on est bombardé, par qui la population est bombardée. Alors on dit quelquefois, ils sont pris entre les guillemets séparatistes pro-russes, c'est comme ça qu'ils appellent les insurgés du Donbass, et les forces ukrainiennes, ou l'armée ukrainienne. Mais c'est un vrai problème parce que il est évident que c'est pas les gens eux-mêmes qui détruisent leurs maisons, leurs usines, leurs entreprises et qui tuent les membres de leur propre famille. Donc de ce point de vue-là, même quand ils en parlent, malheureusement, ils n'indiquent pas tout. Et c'est ça tout le problème, c'est que soit on cache l'information, soit quand on la donne, on ne donne pas tout. Donc on peut pas tout comprendre. Écoles, hôpitaux, universités, habitations, stations d'épuration ou transformateurs électriques. En bombardant tous ces bâtiments purement civils, l'armée ukrainienne ne tenterait-elle pas de provoquer un exode ? Curieusement, Barack Obama et l'ONU n'évoquent jamais ce point. Pire encore, dans son communiqué de presse du 6 novembre 2014, Amnesty International affirme que les deux camps sont responsables d'attaques menées sans discernement. John Dielsen, directeur du programme Europe et Asie centrale d'Amnesty International, déclare même « Les homicides continuels des civils sont inexcusables et les responsables des deux camps doivent être amenés à rendre des comptes. »
Est-ce qu'il y a eu des bombardements ici? Скажите, а здесь вас обстреливали? Обстреливали. Oui, il y avait. Очень много пострадало людей. Il y a beaucoup de gens qui ont été touchés. Il y a beaucoup de gens qui sont restés sans maison. Il y a des gens qui sont morts, il y a les enfants qui sont morts. L'Ukraine s'est toujours opposée au passage de convois humanitaires russes qu'elle considère comme suspects. Les convois que nous avons filmés et inspectés n'avaient aucun caractère militaire. Avec à ce jour 4000 morts, 10000 blessés et 600 à 800000 réfugiés, la Novorussie connaît la plus grande catastrophe humanitaire en Europe depuis plusieurs décennies. Lorsque la Russie bravera l'interdiction de franchir la frontière pour ses convois humanitaires, l'Ukraine dénoncera une invasion directe et l'OTAN qualifiera ces derniers de soi-disant convois humanitaires. L'aide humanitaire est pourtant bien perceptible par les populations. La queue derrière vous, ce sont des gens qui attendent la distribution de pommes de terre. Oui, c'est ça. On ne nous paye plus nos salaires ni les retraites, donc on essaie de se débrouiller pour survivre. On n'a pas d'argent pour acheter les médicaments. Et heureusement, il y a l'aide humanitaire, il nous ramène les vivres. La mission de la Croix-Rouge travaille toujours ici. La semaine passée, j'ai rencontré le représentant de cette mission. Ils veulent revenir ici et ils veulent reprendre leur activité après la mort de leur collaborateur à Donetsk. Des bombardements de la part de l'Ukraine. Nos militaires qui sont venus sur place en les protégeant avec leurs camions et ils ont pu les évacuer. Effectivement, vous avez protégé des observateurs de l'OFCE. C'est absolument fixé officiellement et même il y a, disons, les documents vidéo. Et quand on parle des réfugiés, parce qu'il y a quand même un vrai problème humanitaire de réfugiés, on arrive à pas loin de 600 000, selon les chiffres, 600 000 réfugiés. Alors on dit... Qui sont partis les gens, essentiellement en Russie? Essentiellement en Russie, oui. Mais il y en a aussi qui sont partis vers l'ouest de l'Ukraine. Ça dépend un peu de l'endroit où ils ont des familles, en fait, de la famille ou l'endroit où ils peuvent aller. Mais dans l'ensemble, ils se réfugient effectivement en Russie. Donc, à la limite, il faudrait aider la Russie à accueillir ses réfugiés, parce que plus de 500 000 ou 600 000 personnes à accueillir, mine de rien, c'est un sacré effort. On devrait, plutôt que de faire des sanctions, on devrait au contraire les aider à accueillir ces réfugiés. Et ces réfugiés posent évidemment des tas de problèmes, parce qu'ils se retrouvent dans des tas de régions qu'il faut essayer de les accueillir, de leur fournir un travail, de les nourrir, etc. Ils ont aussi maintenant pris certaines habitudes qui ne sont pas forcément les mêmes que dans les différentes régions de Russie, même si eux, à la base, sont des Russes, en fait. Est-ce qu'il a des rancunes envers le peuple ukrainien ou envers les dirigeants? On était très bien avec les Ukrainiens, les dirigeants. Plutôt aux dirigeants. Nous, on ne peut pas leur pardonner. Nous, on ne veut pas vivre avec eux. Nous, on ne veut plus. On ne peut pas le pardonner. Est-ce qu'elle croit à une réconciliation? Скажите, а вы думаете, что сам наладится дело в отношении с Украиной? Мы боимся, что они вернутся обратно. Или он a peur qu'il revienne. Nous avons les femmes qui sont mortes à cause. Il y a les vieillards qui mouraient. Et on les enterrait dans les cours. Et alors, le retour dans une situation, on ne veut pas. Et nous, on veut rester indépendants pour qu'on nous aide à vivre libres. Est-ce que le rétablissement de la langue russe comme une des langues officielles serait une condition suffisante pour une paix? Je pense que c'est du passé déjà. Voilà. Et maintenant, je pense que ce qu'il faut faire, c'est s'entendre pour cesser les hostilités. On sait très bien que toutes les guerres se terminent toujours par les négociations. Ils ne peuvent être menés qu'à partir des positions d'égalité. Comment elle voit l'avenir du Donbass? Elle dit que l'avenir du Donbass, c'est Novorossie. La République indépendante. Si on n'arrive pas à vivre tout seul, indépendant, alors c'est avec la Russie, mais non avec l'Europe. Ensemble avec la Russie. L'Ukraine, pour nous, elle est morte.
Est-ce qu'avant la guerre, elle se sentait ukrainienne? Quand la vie était normale, oui, oui. Mais après ce coup d'État, quand il y a les Américains qui sont venus ici avec Maïdan, c'est fini. Les russophones n'ont pas été davantage entendus lors du scrutin de novembre 2014 qu'ils ne l'avaient été pour leurs revendications passées. Ce scrutin sera très majoritairement contesté par le bloc euro-atlantiste. Le député européen Jean-Luc Schaffhauser et ses homologues italiens et allemands donneront une conférence de presse sur leur mission d'observation. J'ai pu constater une participation forte dans les bureaux de vote que j'ai visités, des personnes extrêmement motivées. J'ai pu constater également que, d'une part, les différentes listes étaient présentes sur les bureaux de vote, que le vote était secret, d'autre part, l'inscription se faisait sur la base du passeport, chaque bureau de vote ayant son secteur, que les personnes qui n'étaient pas du secteur devaient remplir un formulaire, qu'on vérifiait si elles avaient la possibilité du droit de vote. Je considère donc que dans les conditions actuelles difficiles, ces élections ont été menées de manière transparente et démocratique et reflètent la réalité de la volonté du peuple, qu'elle devrait permettre de donner une légitimité aux autorités et que cette légitimité est absolument nécessaire pour engager le processus également de paix et de dialogue. Je vous remercie. Nous savons que ce qui compte de nos jours, ce ne sont pas les faits, mais l'art de la communication, du lobbying et du soft power. Les Américains y excellent, c'est pourquoi vous devez toujours avoir un esprit critique.